300 000 personnes au moins place Saint-Pierre pour assister à la béatification de Mère Teresa. Pour Jean-Paul II, elle est l'icône de la charité qui a vécu pour servir les plus faibles. Le pape qui n'a lu aucun extrait de son homélie pour la première fois lors d'une cérémonie de cette ampleur. La violence routière avec ce terrible accident la nuit dernière à Ménétrol, 5 jeunes gens passagers d'une même voiture ont été tués. La voiture roulait trop vite, une cellule psychologique a été mise en place pour les proches des victimes. Lundi noir demain, les buralistes seront en grève, rideau baissé pour protester contre la hausse de 20% du prix des cigarettes, une hausse qui succède à d'autres et met la profession, disent-ils, en danger. Nouvelles attaques anti-américaines en Irak au moment où un message de Ben Laden profère des menaces d'attentats suicides contre les États-Unis et les pays qui les aident. Et puis du cinéma avec Tais-toi, la nouvelle comédie signée Jacques Weber, le réalisateur du Dîner de cons. Cette fois-ci un tandem inédit, Jean Reno et Gérard Depardieu. Madame, Monsieur, bonsoir. Point d'orgue des cérémonies qui se déroulent au Vatican depuis le milieu de la semaine. La béatification de Mère Teresa, tant souhaitée par le pape Jean-Paul II, qui en a accéléré les procédures. La ferveur et même la joie se disaient sur bien des visages, place Saint-Pierre, envahie par plusieurs centaines de milliers de fidèles. Le Saint-Père a célébré cette cérémonie longue de plus de 2 heures, l'icône de la charité. Mère Teresa, qui avait choisi ce nom en souvenir de Thérèse de Lisieux, fait désormais partie du cercle des bienheureux. Gérard Griesbeck, Dominique Merlin. Ça y est, Mère Teresa est devenue bienheureuse. Elle est la 1315e fidèle béatifiée par Jean-Paul II. Une grande émotion pour toutes les sœurs de la charité, l'ordre fondé par Mère Teresa. Jean-Paul II est apparu de plus en plus fatigué au fur et à mesure que la cérémonie se déroulait, à tel point qu'il n'a pu lire aucune phrase de son homélie, juste la formule de béatification. C'est un exemple de courage, je trouve, pour les malades, pour les handicapés, pour nous tous. Quelle abnégation, quoi, de se montrer si fatigué, si faible. Laure Blanchy est venue de Paris avec son mari et leurs 6 enfants. On est tous ensemble dans ce moment qui est assez central pour notre vie. Donc ce sont des moments qu'on partage, comme il en restera certainement quelque chose pour tout le monde, pour chacun d'entre nous. Combien sont-ils? 100 000, 200 000? Difficile de le savoir, mais en tout cas moins nombreux que lors des dernières béatifications. À la fin de la cérémonie, des jeunes femmes ont porté au Saint-Père quelques gouttes du sang de Mère Teresa dans un reliquaire. C'était de l'amour pur, c'est même trop, parce que nous on est habitué à de l'amour en dose homéopathique et là tout d'un coup, paf, c'est une explosion. Alors on va repartir avec, on va dire trop d'amour, on n'en a jamais assez, mais on va pouvoir en donner. Hein. Ce que je ressens, c'est que la sainteté est à nos portes, que chacun de nous peut être saint à sa manière. Le pape semble épuisé au moment où il reçoit l'hommage des personnalités. Pour la France, le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin et l'épouse du président Bernadette Chirac. Au moment où il quitte la place Saint-Pierre, on ne peut s'empêcher de penser que c'est peut-être la dernière fois que Jean-Paul II célèbre une telle manifestation. Après les festivités du 25e anniversaire de son pontificat et aujourd'hui la béatification de Mère Teresa, Jean-Paul II présidera mardi un consistoire au cours duquel il nommera de nouveaux cardinaux qui, le jour venu, éliront son successeur. Et pendant ce temps-là, à Calcutta, où Mère Teresa est déjà considérée comme une sainte, des milliers d'Indiens catholiques participaient à des messes célébrées en l'honneur de celle qui a voué sa vie aux plus déshérités. À Calcutta, toujours, mais aussi dans le reste de l'Inde, de nombreuses personnes ont suivi à la télévision avec beaucoup d'attention les cérémonies de béatification retransmises depuis Rome. Pour l'Église catholique, Mère Teresa ne pourra devenir sainte et donc être canonisée que si un deuxième miracle lui est attribué. Un premier miracle a été découvert en décembre dernier. Une Indienne atteinte d'une tumeur cancéreuse à l'estomac aurait miraculeusement guéri après avoir prié Mère Teresa. Reste qu'à Calcutta, pour les hommes de science, ce sont les médicaments qui ont sauvé la patiente. Pour eux, ce supposé miracle ressemble à de la propagande. Bernard Lebrun. Elle respire la joie de vivre, la miraculée, et manifestement se porte comme un charme. Monica, la Bengalie, se prête volontiers aux objectifs des caméras venues du monde entier. Première curiosité, dans ce petit hameau sans eau courante ni électricité, de moins d'une centaine d'habitants et où l'on parle de Santal, cette jeune maman de 35 ans s'appelle donc Monica.
Monica Besra, écrit aujourd'hui un grand journaliste indien, je cite, est une simple villageoise, analphabète, qui doit beaucoup aux missionnaires de la charité qui l'ont recueillie quand elle n'avait plus d'argent pour aller à l'hôpital. Mais Monica n'en démord pas, tout comme le Vatican qui a rédigé un rapport de 40 000 pages relatif à cette miraculée du Bengale. Un miracle donc qui justifierait la béatification, il en faudrait deux pour la canonisation, mais déjà le premier pose problème. Désormais convertie au catholicisme, Monica explique que les sœurs de la charité de Calcutta lui ont remis cette médaille après l'avoir passée sur sa tumeur à l'estomac. Alors que les médecins la jugeaient perdue, le lendemain, elle était totalement guérie. Conclusion de Monica, Mère Teresa est revenue pour me soigner. Bien sûr, le miracle a eu lieu à 360 km d'ici, au cœur du sanctuaire de Mère Teresa, devant sa tombe, où Monica finit par arriver sans le sou, après 3 années de soins médicaux, coïncidence, le 5 septembre 1998, jour anniversaire de la mort de Mère Teresa. Pour autant, l'archevêque de Calcutta, patron de la minorité catholique du Bengale, confirme l'intervention divine via la religieuse. Depuis le début, le diocèse a enquêté avec sérieux. Car il était nécessaire de prouver ce miracle. Seul un petit groupe de manifestants à Calcutta a osé protester contre ce qu'ils appellent un faux miracle qui ridiculise l'œuvre de Mère Teresa. Ces laïcs affirment que Mère Teresa n'avait pas besoin du Vatican pour être aimée et admirée des Indiens. En France, tragique accident de la route. 5 jeunes tués la nuit dernière sur une départementale. Le conducteur n'avait son permis que depuis 15 jours à peine. C'est en tentant d'éviter un animal sur la route qu'il aurait peut-être perdu le contrôle. Virginie Fichet, Philippe Vivet. À bord de cette voiture, ils étaient 5. 2 d'entre eux se nommaient Michael. Les autres, Caroline, Frédéric et Florian. Tous avaient entre 16 et 20 ans. Vers 1h du matin, la nuit dernière, le conducteur a perdu le contrôle du véhicule dans ce virage. Après plusieurs tonneaux, la voiture a fini sa course contre ces arbres. Les 5 occupants sont morts sur le coup pour avoir peut-être simplement voulu éviter des animaux sur la chaussée. L'accident est vraisemblablement lié à une vitesse excessive, peut-être à la traversée d'un animal, mais l'enquête est en cours. 2 frères se trouvaient parmi les victimes, 2 frères rugbymen au club de Rion. Aujourd'hui, au rendez-vous habituel du club, comme dans la ville, l'ambiance était lourde de tristesse. On les connaît depuis très longtemps. Comment voulez-vous qu'on ne soit pas, que tout le club ne soit pas complètement émotionné par tout ce qui nous arrive et qu'on ne sache plus voir ça se reproduire? On ne le dira jamais. Je pense que ces jeunes aujourd'hui, qui ont le A à leur voiture, vont prendre conscience de la difficulté de conduire. L'espoir au moins que ce drame serve de leçon, c'est tout ce qu'il reste. Le chauffeur n'avait semble-t-il obtenu son permis que très récemment et sa voiture, une Clio 16 soupape, était d'un modèle puissant. En pleine semaine sur la sécurité routière, ces éléments relancent un débat récent. Jeune conducteur, une fête qu'on fêtait, une voiture puissante, de la vitesse, c'est tout cela sur lequel il nous faut agir. C'est l'objectif de la semaine de la sécurité routière, c'est malheureux que ça nous soit rappelé aussi tragiquement. Des analyses sur le taux d'alcoolémie devraient être connues cette semaine, mais dans l'immédiat, l'heure est au recueillement. Une chapelle ardente sera dressée dans les heures à venir. Ceci nous amène à cette opération conjointe de la police et la gendarmerie pour traquer les chauffards en ce retour de week-end sur l'autoroute A13. Reportage Julia Delage, Annie Triboire. Des moyens dignes d'une super production pour une grande première. Gendarmes et policiers ensemble pour lutter contre la violence routière. Dans le ciel, un hélicoptère de surveillance. Au sol, 66 gendarmes, 27 CRS et 35 motards sur à peine 60 km. Un déploiement qui en a dissuadé plus d'un. Résultat, des contrôles plutôt bon enfant. Ah, c'est pas gentil ça, mon lieutenant. Faites pas de distinguo. Faites pas de distinguo. D'accord. La prochaine fois, je le saurai, mon lieutenant. Si ça pouvait être de la bonne année, ça m'intéresse. Vous soufflez tant que l'appareil va sonner. D'accord. Gonflez vos poumons, soufflez. Encore. Merci, monsieur. Retirez l'embout blanc, s'il vous plaît. Merci. Faites un petit trou, vous le mettez à vos clés de voiture, ça sera un souvenir. Ce n'est pas sur l'autoroute qu'on meurt le plus. Tous les week-ends, 70 000 véhicules empruntent cette portion de la 13, or les accidents mortels restent rares. Aujourd'hui, après 3 heures d'opération, à peine une 30aine d'excès de vitesse et 11 défauts de ceinture de sécurité.
Mais pour certains, l'union police-gendarmerie a tout de même porté ses fruits. Série d'attentats à l'explosif la nuit dernière en Corse, une opération qui visait entre autres la villa du président du groupe Accor. Ce groupe qui avait différents projets dans l'île avait déjà été pris pour cible. Yvan Martinet. La villa est en ruine, c'était celle du patron du groupe Accor. Depuis de récentes menaces, un gardien surveillait la maison. Hier, 23h, un commando maîtrise le vigile, le ligote dans sa voiture et fait sauter la maison. Au nord cette fois. La résidence secondaire pulvérisée d'un fonctionnaire continental. Là, c'est une bombe artisanale vraisemblablement composée de nitrate et de fioul qui est à l'origine de l'explosion. Une charge équivalente à 25 kg de TNT. La Corse renoue avec les nuits bleues. Simultanément, 5 lieux ont été visés. Les maisons de Cisco et Isolella, deux autres à Moriani-Plage et une pizzeria à Bastia. À Marseille, une bombe placée devant cette banque a été désamorcée. Aucune revendication pour l'instant. Cette série d'attentats intervient 3 jours à peine après la visite du ministre de l'Intérieur sur l'île, alors que le FLNC avait annoncé il y a moins d'un mois une trêve des actions contre les biens privés. Les malfaiteurs qui avaient grièvement blessé un policier vendredi soir à Roubaix avaient volé une Mercedes, une grosse cylindrée, qui a été retrouvée brûlée dans une rue de Tournai par la police belge ce matin. Les malfaiteurs, eux, sont toujours en fuite. La grève des buralistes commencera demain matin, mouvement le premier de cette corporation qui devrait être largement suivi. Il proteste contre l'augmentation de 20% du prix des cigarettes. Cette hausse intervient après une longue série. Comme le montre ce graphique, au premier semestre, on a constaté une hausse de 8 à 16% du paquet. Demain, le prix des cigarettes va grimper de 18 à 20% et une hausse équivalente est prévue en janvier 2004. Et si on remonte dans le temps, en 10 ans, le prix des cigarettes a augmenté de 125%, avec pour résultat une diminution du nombre des fumeurs. Entre 1991 et 2001, par exemple, la proportion de fumeurs chez les Français est passée dans la population de 40 à 36%. Lundi noir, je vous le disais, demain dans les bureaux de tabac. Et voici la raison de la colère. Dans les régions frontalières, les débitants de tabac voient leur chiffre d'affaires baisser de 20 à 40%. Les fumeurs sont prêts à parcourir plusieurs kilomètres pour payer leurs cigarettes moins chères. Les Alsaciens se rendent ainsi de plus en plus souvent en Allemagne. Reportage à Strasbourg, Christine Beauss, Pascal Redinger. Au cœur de la cité populaire du Neuhof, Alain Valero a définitivement baissé le rideau de son bureau de tabac faute de clientèle. Il s'estime mis en faillite par l'État en raison des hausses successives du prix des cigarettes. L'effet de quartier a un effet premier puisque c'est des gens à faible revenu. Mais sinon, on va dire que l'hémorragie va s'accroître. Comme le flot de fumeurs, de plus en plus nombreux à traverser le Rhin pour acheter leurs cigarettes en Allemagne. Bonjour, je voudrais 2 cartouches de Marlboro Light, s'il vous plaît. À raison de 70 centimes d'écart en moyenne par paquet, les Alsaciens viennent faire ici leur plein de tabac par cartouche entière. Le plein, comme toutes les semaines, vu les tarifs de l'autre côté, quoi, en France, on n'a pas le choix. Mais ça fait déjà plusieurs mois que je me suis habitué à passer à quai, quoi. J'en ai marre d'être pris pour une vache à lait. Dans l'histoire, certains engrangent les dividendes, comme ce buraliste allemand installé à la frontière qui réalise 98% de son chiffre d'affaires avec les Français, mais il n'en reste pas moins philosophe. Nous avons en Allemagne les mêmes problèmes à la frontière polonaise. Beaucoup d'Allemands vont à l'Est. Et ici, les Français viennent en Allemagne. Résultat, chez nous également, la profession va mal. Mais pas autant qu'en France, où les buralistes s'apprêtent à vivre un lundi noir. La plupart, en particulier dans les régions frontalières, seront en grève pour manifester leur colère. Avec des cigarettes encore 20% plus chères, la profession se dit sinistrée. C'est une mise en faillite volontaire de l'État à l'encontre des buralistes. Surtout frontaliers, je ne dis pas que pour tous, mais les frontaliers, c'est effectivement ça. On n'a pas pensé aux 9000 buralistes frontaliers qui vont être touchés. Et ce ne sont pas les 130 millions d'euros d'aide qui les sauveront. Les buralistes ont décidé de contre-attaquer en ne vendant plus de timbres, ni de timbres fiscaux. Quant à Jean-François Mattei, le ministre de la Santé vient d'indiquer à Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1 que les hausses du prix du tabac pourraient éventuellement se poursuivre. Dans l'Aveyron, par souci d'économie, le service chirurgie de l'hôpital de Sainte-Afrique a été supprimé contre l'avis des personnels, des élus locaux et des habitants. Du coup, le maire socialiste de la ville a décidé d'organiser une consultation populaire qui se tenait aujourd'hui dans une 50aine de communes de la région. Hélène Vergne, Françoise Mazou. Un geste citoyen pour une même cause, la défense de leur hôpital de proximité.
À une très forte majorité, les habitants de Sainte-Afrique se sont prononcés aujourd'hui contre la fermeture des services de chirurgie et réanimation. C'est très grave qu'en campagne, maintenant, on n'ait plus rien, on nous supprime tout, la vie devient vraiment... ça devient plus possible, quoi. À notre âge, on peut être malade du jour au lendemain et on aimerait bien avoir tout sur place. C'est vraiment une question de vie humaine et ça, ils n'en tiennent pas compte. C'est une honte. Une consultation populaire sans précédent orchestrée par les élus locaux et le personnel de l'hôpital. Tous y voient la dernière chance de sauver un établissement déficitaire, mais à leurs yeux indispensable dans une région enclavée. Encore faut-il donner aux médecins les moyens d'exercer leur métier. Si un patient, par exemple, a un tableau d'hémorragie sur une rupture de rate, eh bien, c'est important de faire rapidement le diagnostic pour qu'on puisse éventuellement derrière l'opérer. Mais là, c'est pareil, on veut supprimer toute la chirurgie d'hospitalisation. Donc on veut nous dire que, ok, il y a l'exception géographique, ok, il y a l'accueil des urgences, mais derrière, on n'a pas les moyens de travailler. Face à ces médecins en rébellion, une tutelle qui assure avoir tout essayé pour maintenir cet hôpital en l'état, en vain. Et quand je lis dans les tracts, nous exigeons le recrutement de chirurgiens pour l'hôpital de Sainte-Afrique, ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas sérieux parce que ce n'est pas possible. Parce que c'est trop coûteux? Non, ce n'est pas une question de coût. Les postes existent, sont budgétés. C'est parce qu'on n'en trouve pas. Mais parce qu'ils croient malgré tout à l'avenir de leur hôpital, les habitants de Sainte-Afrique ont appelé à une opération ville morte mercredi prochain. Venons-en à l'immigration clandestine et à l'afflux d'étrangers en situation irrégulière qui arrivent tous les jours dans le port de Ouistreham dans le Calvados, porte d'entrée vers la Grande-Bretagne. Ces clandestins qui viennent d'Irak, de Géorgie, de Russie ou d'ailleurs espèrent embarquer à bord de ferries pour gagner l'Angleterre qu'ils considèrent comme une terre d'accueil alors que les lois se sont durcies récemment. À Ouistreham, le préfet a déclaré la guerre aux passeurs. Reportage Mathias Sillian, Ludovic Tourte. C'était l'été indien ce week-end sur les plages de Normandie. Mais à Ouistreham, pendant que certains s'initient au cerf-volant, d'autres sont occupés à survivre. Ces clandestins rêvent de passer en Angleterre en se dissimulant dans l'un de ces camions. L'un d'eux affirme avoir payé 4 000 $ à des passeurs pour se retrouver dans ces dunes. Ils sont là depuis un mois et tentent chaque nuit de traverser la Manche. No control. C'est très difficile de passer maintenant avec tous les contrôles. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas. L'hiver arrive, il commence à faire très froid, la vie devient vraiment très dure. Pourquoi vous ne demandez pas à la mairie qu'il vous fasse un abri? Quelques habitants compatissent, les autres sont indifférents. Personne ne dit rien contre eux, non. Non, personne. Bon, à part que les gens respectent un peu en disant ils brûlent les barrières et tout, mais il faut bien qu'ils chauffent. Si eux, ils étaient dehors, qu'est-ce qu'ils feraient? Pour le maire, pas question de construire ici un nouveau centre d'hébergement. En voulant régler le problème de Sangat, on l'a réglé à Sangat, mais on les a envoyés ailleurs. Évidemment, on ne va pas recréer ici un Sangat bis pour être obligé de le détruire dans quelques temps et repartir à zéro ailleurs. Une soirée autour du feu comme tant d'autres pour ces clandestins qui tentent une nouvelle fois leur chance. Comme la nuit précédente, ils sectionnent les grillages, pénètrent dans le terminal du ferry et vont se cacher sous les camions en partance pour l'Angleterre. Nouvel échec. Non expulsables, ils seront arrêtés puis relâchés par les gendarmes, comme ces autres clandestins que nous avions filmés il y a 10 mois au même endroit. Cette nuit encore, le bateau part sans eux. Ils recommenceront demain. À la boule contre l'immigration clandestine et le terrorisme se tient jusqu'à demain le G5 autour de Nicolas Sarkozy, ses homologues allemands, espagnols, britanniques et italiens, avec la volonté affichée d'améliorer les moyens de coopération entre ces 5 pays. Nicolas Sarkozy qui dit prendre au sérieux les menaces proférées par Ben Laden, qui promet de nouveaux attentats aux États-Unis et dans les pays qui soutiennent l'Irak. Le ministre de l'Intérieur qui, par ailleurs, est revenu sur la question de l'immigration clandestine et a réaffirmé sa volonté d'éviter que ne se créent de nouveaux sangates. Nous l'écoutons. Nous ne laisserons pas de nouveaux sangates s'installer. Ouistreham, Cherbourg, toutes les autres villes feront l'objet du même traitement. La lutte contre l'immigration clandestine est ma priorité. Je tiendrai mes engagements et je ne laisserai pas ces régions envahies par un flot d'immigrés clandestins. Avec les Anglais, notre collaboration est totale pour démanteler des filières.
La campagne des régionales, Jean-Marie Le Pen part à l'assaut de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. Il parle de victoire, considérant que sa liste pourrait obtenir la majorité aux élections de mars prochain. À Aix-en-Provence, il a réuni aujourd'hui tous les candidats FN de la région PACA. Sur l'échiquier politique au régional de 2004, le Front National pourrait créer la surprise. Avec le changement de mode de scrutin, il pourrait se maintenir au second tour dans une quinzaine de régions, si l'on se réfère à ses scores de 98. Voyons l'exemple dans le Nord-Pas-de-Calais, où Jean-Marie Le Pen a réalisé l'un de ses meilleurs scores lors des présidentielles. Reportage Vincent Fourcade et Romain Potocki. C'est un endroit où le Front National a de bons souvenirs. Les faubourgs ouest de Dunkerque, législative 2002, ici 35% des suffrages pour le parti de Jean-Marie Le Pen. À 5 mois des régionales, réunion de travail au FN, séance de motivation. Cette fois-ci, dans notre région, nous jouons gagnant. Nous ne sommes pas là pour témoigner. Après avoir séduit dans le Nord près d'un électeur sur 4 aux dernières présidentielles, l'extrême droite espère maintenant remporter la région Nord-Pas-de-Calais. Les plans de délocalisation se multiplient, les plans de licenciement se multiplient, il pleut des plans sociaux. Pour finir en tête de ces élections, le Front National mise donc sur le malaise social, ses bons résultats passés, mais également sur la réforme du mode de scrutin. Régional 2004, une élection à deux tours. Exemple de second tour avec trois listes en course, l'une d'elles termine première avec 40% des voix. Elle reçoit alors automatiquement un bonus, le quart des sièges au conseil régional. Le reste étant partagé selon le score des trois listes. Finir en tête, c'est donc avoir la majorité, et le Front National espère bien tirer profit d'éventuels triangulaires. S'il est face à un parti démocratique, que ce soit l'UMP ou l'UPS, le Front National ne gagnera pas. S'il est face à deux partis démocratiques qui se font concurrence entre eux, là, il peut espérer gagner, en effet. Le FN en tête dans le Nord-Pas-de-Calais, à droite comme à gauche, on s'en inquiète, mais officiellement, l'hypothèse n'est pas jugée crédible. Des transferts. Même s'il refaisait le score des législatives, déjà, il ne serait pas en état de gagner la région Nord-Pas-de-Calais. Et je pense en plus que depuis les élections législatives, il a reculé. Ça ne se produira pas. Je me bats, moi, pour que la gauche soit largement en tête au premier tour et si possible majoritaire. La campagne électorale ne débutera qu'en janvier, mais le FN a déjà sa stratégie, perturber le jeu politique en multipliant les triangulaires. En Suisse, selon une estimation de la télévision suisse romande, la droite populiste aurait remporté les élections législatives. L'UDC a en effet obtenu plus d'un quart des voix. Selon une projection, ce parti détiendrait alors 56 sièges sur les 200 du Conseil national, la chambre basse du Parlement. En Irak, de nouvelles embuscades contre les forces américaines. Ces attaques dans lesquelles deux soldats ont été tués la nuit dernière surviennent quelques heures après la diffusion d'un message attribué à Ben Laden. Bertrand Koch. C'est un camion d'armes et de munitions qui explose après avoir été touché par une roquette. Le camion faisait partie d'un convoi américain qui traversait ce matin la ville de Fallujah, à 50 km de Bagdad. Immédiatement après l'attaque, qui n'aurait pas fait de victimes, les Irakiens manifestent leur joie en brandissant comme des trophées des morceaux d'armes et d'uniformes. Par ailleurs, les Américains ont eu deux morts hier soir dans une embuscade près de Kirkouk. Hier justement, Oussama Ben Laden, dans un nouvel enregistrement diffusé par Al Jazeera, se moquait des Américains enlisés en Irak et prédisait de nouvelles attaques. Aujourd'hui, le président Bush, de passage à Bangkok, réagissait. D'après lui, cette cassette est la preuve que la guerre contre la terreur doit continuer, que face au danger, les nations libres doivent travailler ensemble, couper les fonds aux organisations terroristes et traîner leurs assassins devant la justice. En Asie, George Bush tentera de convaincre les alliés de l'Amérique de la soulager d'une partie du fardeau irakien. En Irak, la vie reprend difficilement son cours. À Bagdad, et l'insécurité demeure. Pour preuve, cette nuit passée dans un commissariat de la ville par nos envoyés spéciaux Martine Laroche-Joubert et Gilles Jacquet. Descente de police dans un immeuble de Bagdad. Le propriétaire de cet appartement vient d'appeler au secours le commissariat du quartier. Au sein même des familles, les règlements de compte se multiplient, mais le coupable a pris la fuite. C'est mon frère. Il m'a attaqué avec un couteau. Il m'a arrosé d'essence. Il a allumé un briquet et il l'a jeté sur moi. Et puis, il embête tous nos voisins, en haut, en bas. C'est un malade.
Chaque nuit, crimes et pillages sont signalés. Depuis la chute de Saddam, les tensions longtemps étouffées explosent. Au commissariat, les policiers irakiens sont débordés. Ils n'ont pas l'habitude. Sous Saddam, c'était les services secrets qui maintenaient l'ordre. Le chef du poste est un ancien bassiste. Mal noté selon lui à l'époque, depuis un mois, il a repris du service. Avant la chute du régime, il y avait très peu de crimes. Mais avant de partir, Saddam il a relâché les prisonniers. La plupart étaient des criminels. Et maintenant, il faut les rattraper. Ça, c'est vraiment du boulot. Au bout du couloir, les cellules des prisonniers. Ils se plaignent d'être molestés. À côté, un homme gît, la jambe criblée de balles, accusé d'avoir écrasé un passant avec une voiture volée. La routine. Mais ça se complique. Des gardes de sécurité sont suspectés d'utiliser de fausses cartes officielles délivrées selon eux par les Américains, de quoi être submergés. De plus, les policiers deviennent des cibles pour des attentats terroristes. On s'attend à tout, à n'importe quel moment. Mais vous savez, je ne suis pas un collaborateur des Américains. Si je travaille avec eux, c'est simplement pour rétablir la sécurité à Bagdad. Dehors, une patrouille s'organise. On en a marre de ce métier, c'est insupportable, se plaint ce jeune policier. La nuit sera longue. L'ancien président bosniaque Izetbegović s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 78 ans. Son nom restera associé au siège de Sarajevo, où il a continué de diriger son pays sous le pilonnage de l'armée serbe pendant 3 ans et demi. Il était l'un des signataires de l'accord de Dayton qui a mis fin en 1995 à la guerre en Bosnie et créé la fédération croato-musulmane. En Cisjordanie, 3 Israéliens ont été tués par balle, les 3 autres ont été blessés sur une route au nord de Ramallah. Cette attaque a été revendiquée par les brigades des martyrs d'Al-Aqsa, proches de Yasser Arafat. Tension politique entre Jérusalem et Paris, tout commence par la publication dans un grand quotidien de Jérusalem de la photo de Jacques Chirac pour illustrer le visage de l'antisémitisme français. Dans la foulée, l'affaire devient politique puisque le ministre israélien des Affaires étrangères reprend cette idée à son compte en qualifiant de honte l'attitude du président français qui n'aurait pas, selon lui, condamné les propos antisémites tenus par le premier ministre malaisien au sommet de l'Union européenne. Un imbroglio diplomatique qui aboutit en début d'après-midi par une mise au point de l'Élysée qui réfute ces accusations. Charles Anderlin. C'est le grand quotidien Maariv qui a ouvert le feu par une bordée d'injures en première page avec le titre « Le visage antisémite de la France ». Le tout accompagné par un article au vitriol signé par le rédacteur en chef. Le président français, écrit-il, s'est rangé parmi les collaborateurs des nazis, pas moins. Jacques Chirac est accusé d'avoir bloqué une résolution du sommet de l'Union européenne condamnant des propos antisémites du Premier ministre malaisien. Aujourd'hui, les Juifs dirigent le monde par procuration. Réunis au même moment à Bruxelles, les dirigeants européens envisagent d'inclure une condamnation de ces propos dans leur communiqué final. C'est une question d'actualité, a dit Jacques Chirac. La condamnation doit faire l'objet d'une déclaration de la présidence au nom de l'Union européenne. Ce qu'a fait d'abord Franco Frattini, le ministre des Affaires étrangères italien, le soir même. Et le lendemain, Silvio Berlusconi. La présidence de l'Union européenne a reçu mandat pour condamner les propos du représentant malaisien à la conférence des États islamiques. Condamnation unanime de l'Union européenne à laquelle la France s'est donc totalement associée. Malgré cela, Sylvain Chalom, le ministre des Affaires étrangères, a qualifié, je cite, de honte l'attitude de Jacques Chirac qui, selon lui, aurait refusé de condamner les propos du Premier ministre malaisien. L'affaire est dans tous les journaux télévisés. Les correspondants en poste à Paris viennent expliquer que Jacques Chirac a largement prouvé qu'il n'est pas antisémite. Et Jacques Chirac a tenu à préciser ce soir dans une lettre au Premier ministre malaisien que ses propos antisémites ne peuvent qu'être condamnés. En France, dans l'Essonne, à Riche-sur-Rangis, un rabbin a été hier victime d'insultes, de bousculades, des coups de poing. Les 2 agresseurs présumés ont été interpellés. Ils ont été présentés au parquet en fin de journée. Un incendie criminel dans une école maternelle de Rieck-sur-Belon, dans le Finistère. Le feu a été allumé volontairement, accompagné d'actes de vandalisme dans le restaurant scolaire. La classe ne pourra être assurée demain et mardi.
Grâce au mécénat d'une grande entreprise, l'hôpital Trousseau de Paris s'est équipé de 50 ordinateurs portables munis de caméras, de quoi permettre aux enfants hospitalisés de communiquer entre eux et de rompre ainsi leur isolement. Nathalie Sapena, Daniel Lévy. Service d'orthopédie pédiatrique. Depuis un mois, Assa est bloquée en fauteuil roulant par une infection du genou. Encore un petit peu, ça a l'air un peu plus clair. Seule fenêtre sur l'extérieur, un ordinateur portable et sa caméra qui lui permettent de discuter avec les autres enfants de l'hôpital. Bonjour Fayad. Ce que tu fais cet après-midi? Je suis en train de parler avec toi. Fayad, lui, est dans un autre bâtiment de l'hôpital, en gastro-entérologie. Des maladies chroniques. Cette discussion, c'est une grosse entreprise informatique qui l'a rendue possible en donnant à l'hôpital Trousseau 50 portables reliés par un réseau interne. Un équipement qui apporte beaucoup plus qu'une simple distraction. La douleur n'est plus du tout appréhendée de la même façon. Ils ont mal, c'est vrai, la douleur ne s'en va pas. Mais en tout cas, l'esprit est occupé ailleurs, l'esprit est occupé à faire quelque chose d'agréable. Assa ne rencontrera jamais le petit Fayad, ni les autres enfants. Elle n'a pas le droit de quitter son unité à cause des risques de contamination. J'ai tenu moins de rester dans la chambre à ne rien faire. On a tout, on a des jeux, on peut faire des recherches, on peut parler avec d'autres personnes. Bon, Fayad, on prend l'attention. Fayad, lui, est branché jour et nuit à une perfusion car il ne peut plus s'alimenter par la bouche. Et il est le seul petit garçon de son âge dans ce service où il va rester plusieurs mois. L'ordinateur a requinqué son moral. C'est un enfant qui souffre vraiment de l'isolement. Donc, et là, il est plus communicatif, plus gai, plus... On a un meilleur contact. Devant le succès de cette première initiative, d'autres hôpitaux pour enfants seront équipés prochainement. Après la France, c'est au tour du Concorde britannique de faire ses adieux. Après 27 ans de service, le supersonique de British Airways prendra sa retraite vendredi prochain et la reine d'Angleterre devrait lui rendre hommage à sa façon. Laurent Boussier, Arnaud Miguet. Inutile de vous rendre au guichet Concorde de British Airways. Depuis près d'un mois, il n'y a plus un seul billet à vendre. Malgré le prix, 11 900 euros Londres-New York aller-retour, toutes les places de cette dernière semaine d'exploitation commerciale ont été achetées en moins d'une heure. Record de passagers battu pour des voyages d'adieu. 6 mois après Air France, British Airways arrête donc ses vols supersoniques. Une décision purement commerciale prise il y a déjà longtemps. Nous savions que le Concorde allait prendre sa retraite tôt ou tard. Et ce que nous souhaitons, c'est fêter cet avion qui restera un symbole de l'aéronautique du 20e et du 21e siècle. Semaine d'adieu, semaine de célébration. En plus des vols transatlantiques, un des 5 Concorde de British Airways va effectuer à partir de demain une tournée d'adieu des îles britanniques. Birmingham, Manchester, le Pays de Galles, l'Écosse et l'Irlande du Nord, pour qu'un maximum de personnes puissent le voir en vol une dernière fois. C'est vraiment dommage, c'était un symbole national. J'ai jamais eu les moyens et de toute façon, j'ai jamais voulu payer autant. Donc ça m'est égal. La reine elle-même va rendre hommage au Concorde. Jeudi, à l'occasion du dernier décollage commercial du supersonique, elle fera illuminer son château de Windsor. Vendredi prochain, 500 000 personnes sont attendues ici, autour des pistes de l'aéroport d'Heathrow, pour assister au dernier atterrissage d'un Concorde de British Airways. Un événement qui prouve, une fois de plus, que même si cet avion était réservé à une clientèle très haut de gamme, les Britanniques, comme les Français, avaient un faible pour lui. Du côté du ciel, Météo France lance un bulletin d'alerte orange dans 9 départements du sud-est, des risques de fortes pluies d'orages dans le Gard, l'Hérault, les Alpes de Haute-Provence, les Alpes-Maritimes, les Bouches-du-Rhône, le Var, le Vaucluse, la Drôme et l'Ardèche. Cette alerte devrait être levée demain en début de matinée. Revenons aux terribles incendies de l'été. Pour éviter que des habitants isolés dans les massifs ne puissent combattre eux-mêmes les départs de feu, la mairie des Adrets, dans l'Estérel, a décidé d'équiper les particuliers avec des pompes autonomes. Olivier Théron, Raymond Chaplard. Dans cette piscine, il y a autant d'eau que dans 6 canadaires. C'est la meilleure arme pour lutter contre l'incendie. Pour l'utiliser, il faut une pompe autonome. Les pompiers ne peuvent pas être partout, c'est une évidence. Quand on habite une région comme celle-ci, je crois qu'il faut être responsable et effectivement mettre toutes les chances de son côté en cas d'incendie. Le starter, la mise en route.
Aux Adrets, une commune de 7000 habitants dans l'Estérel, la mairie et le comité communal de lutte contre l'incendie ont organisé un achat groupé de pompes et des sessions de formation. Le feu a déjà ravagé le village. En cas de nouvel incendie, les ressources en eau seraient vite épuisées. Dans les piscines des Adrets, il y a 7 fois plus d'eau que dans les réservoirs municipaux. Cet été, on était déjà à flux tendu. C'est évident que s'il y avait eu un incendie, en quelques minutes, il n'y aurait plus d'eau dans les bassins. Donc les personnes n'auraient pas pu se défendre et non plus les pompiers auraient eu du beau matériel peut-être, des hommes sur place, mais sans eau. Malgré tout, lorsque le feu progresse, attisé par un vent violent, les lances à incendie peuvent ne pas être suffisantes comme cet été. Un plombier de Fréjus a décidé de s'atteler au problème. Son idée, déposée à l'INPI, est simple et efficace, comme toutes les bonnes idées. Moi, mon système, vous voyez, il coule au-dessus du toit comme une pluie. Quand on a le feu, on met la pompe à pleine puissance, on met à peu près la valeur d'un gros orage sur le toit en une minute. Protéger sa maison, ne pas tout attendre des pompiers, c'est le prix à payer lorsqu'on habite en forêt. Un prix relativement peu élevé comparé aux dégâts. Une pompe coûte moins de 300 euros et le nuage tropical n'excédera pas, lui, le prix d'un ordinateur. Sortie sur les écrans de Tais-toi, la nouvelle comédie signée Jacques Weber, le réalisateur du Dîner de cons, un film qui repose sur le même ressort comique que La Chèvre, avec cette fois un tandem inédit, Jean Reno et Gérard Depardieu. Reportage Pascal Deschamps, Bernard Puissesoir. Qu'est-ce que vous voyez là? Une tasse? La recette Weber prenait un couple, deux types que tout sépare, ici un abruti et un dur, que le destin fait se rencontrer. Salut! J'aime beaucoup les chevaux et t'as des yeux de cheval. T'as des yeux de bourrin. L'un veut devenir l'ami de l'autre et ne va plus le lâcher. Classique. 30 ans après L'Emmerdeur avec Jacques Brel et Ventura, 20 ans après La Chèvre avec Pierre Richard et Depardieu, Francis Weber nous offre une nouvelle histoire d'amitié improbable. Non. Comment vous avez fait pour convaincre Depardieu de jouer un abruti? Il en rêvait. Il en rêvait, il m'avait téléphoné au moment du dîner de con en disant « Je voudrais jouer le con, s'il te plaît. » Je lui dis « Je peux pas, Villerel joue depuis 3 ans, c'est à lui de faire le film. » Mais il avait été frustré sur La Chèvre de ne pas avoir le rôle de Pierre Richard, Gérard. Et lui préférait évidemment être le Gugus, parce que c'est plus payant comme rôle. Si on reste dans cette chiotte, on est en tôle dans 5 minutes. Arrête-moi tout de suite, connard! Dieu qui t'énerve pas, je vais piquer une autre. C'est moi, n'aie pas peur! Qu'est-ce que c'est que ça? Je te dis qu'il faut se débarrasser de cette manière de flic et tu m'en ramènes une deuxième. Mais c'est pas la même. Le clown blanc que joue Jean Reno dans Tais-toi est très difficile à jouer. Parce qu'il faut de l'humilité, il faut beaucoup de talent. Et puis il faut permettre à l'autre de rebondir sur vous. Donc il faut avoir des épaules pour ça. Lâche-moi un peu, j'ai pas envie que ça se termine mal. Pourquoi ça se terminerait mal? T'es mon copain, ça peut pas se terminer mal. À mi-chemin entre Les Fugitifs et Le Dîner de cons, Tais-toi est une nouvelle variation sur le thème de l'imbécile attachant. La recette, agrémentée comme toujours de quelques répliques mémorables, devrait une nouvelle fois séduire. Et avec moi, il t'arrivera jamais rien, tu verras. Avant de refermer ce journal, je vous propose de découvrir un extrait d'un document qui sera diffusé sur France 2 en deuxième partie de soirée dans les coulisses du pouvoir, émission de Daniel Alombroso. Il s'agit de la dernière semaine de campagne d'Arnold Schwarzenegger. Qu'est-ce que vous dites à la violence? Qu'est-ce que vous dites aux gangs? Qu'est-ce que vous dites à la drogue? Mais pour l'éducation, il faut dire oui. Alors, qu'est-ce que vous dites pour l'éducation? Au sport? À l'espoir? À la vie? Bravo, vous êtes tous des gagnants, merci beaucoup. Ainsi se termine ce journal. Dans un instant, à météo, Nathalie Rouet, 20h55 urgence, minuit 15, le dernier journal, Laurence Piquet, demain 7h40, les 4 vérités. Françoise Laborde recevra Jean-Paul Huchon, le président de la région Île-de-France. 13h, le journal présenté par Daniel Bilalian. 20h, David Pujadas. Je vous remercie de votre attention. Excellente fin de soirée sur France 2. On se quitte avec ces images du feu d'artifice qui a illuminé la place Saint-Pierre ce soir à l'occasion du 25e anniversaire du pontificat de Jean-Paul II.